Contrairement aux chiens ou aux animaux qui ne dominent pas leur jalousie et qui veulent être possessifs et qui veulent dominer le troupeau et avoir pour eux toutes les femelles, l'homme, avec sa conscience, peut respecter les autres êtres humains et, dans le respect, dans la compréhension, pouvoir libérer ceux que l'on prétend aimer. J'ai une compagne que j'aime, elle-même aussi. Si elle est intéressée pour avoir un moment de sensualité avec quelqu'un d'autre, c'est formidable. Et non seulement je ne vais pas la freiner, mais je vais même l'encourager. Et je sais qu'elle reviendra avec moi. Est-ce que vous êtes capable de vous en parler très ouvertement? C'est-à-dire que je lui montre les beaux garçons et elle me montre les belles filles. Elle essaie de me les amener aussi. Moi, je souhaite vraiment de tout cœur que ma compagne trouve mieux que moi. Elle va avoir du mal, mais je le souhaite. Là aussi, les Raëliens, par exemple, doivent la courtiser beaucoup. Hein, oui. Voir la compagne de Raël, ça doit être certainement, un honneur. Surtout qu'elle est très jeune, beaucoup plus jeune que moi, et très belle. Et, mais jusque-là, elle a jamais eu envie d'aller ailleurs. Mais la porte est ouverte, mais elle a jamais eu envie parce qu'elle me dit, le jour où je vais trouver quelqu'un de mieux que toi, oui, je le ferai, mais ça me semble difficile. Peut-être le fait que j'ai eu les messages, j'ai eu la chance d'avoir les messages très jeune, j'ai pas souffert de la jalousie. Non, à chaque fois que Raël vit un moment intime avec une autre femme, et là, je les connais tous, ouais, et je suis très heureuse pour lui. Est-ce que toi, tu peux te permettre de vivre ces moments intimes-là avec quelqu'un d'autre? Est-ce que toi, tu as le droit de, je dis pas tromper parce que ça n'a pas l'air d'être le mot, mais as-tu le droit de tromper Raël, toi? Eh bien, ma relation, dès le début avec Raël, a été très claire. Il ne me demandait qu'une seule chose, c'est que je lui sois fidèle. Okay. Et j'ai accepté. Je trouvais sexiste, ça très bien. Hein? Mais pourquoi non, vous lui demandez d'être fidèle alors que vous prenez la liberté sexiste? C'est sa liberté d'accepter, de refuser. Mais pourquoi si vous lui demandez, vous lui demandez qu'elle vous soit fidèle, mais d'un autre côté, vous ne pouvez pas l'être en annonçant la couleur, au départ, en disant, est-ce que tu veux être ma compagne? À ce moment-là, toi, je souhaite que tu sois fidèle, et moi, je garde ma liberté. Ça te plaît, ça ne te plaît pas, il n'y a pas de problème, on reste bons amis. Mais pourquoi vous voulez que vous soyez fidèle? C'est une liberté. Mmh. C'est la liberté individuelle. Nous sommes pour les choix individuels, qui peuvent être différents. Et chacun, dans tous les couples, on recommande aux gens d'être clair dès le début. Et de changer les règles du jeu quand ils veulent. Et si elle vous avait demandé la même chose? Pas du tout. Vous n'êtes pas jaloux? Pas du tout.